population, en ce jour anniversaire de la naissance de Marcel Pagnol, Aubagne est en fête. Les pescadours de la Martiale, c'est de vieux loups que rien n'égale. Ils iraient n'importe où, dans la rafale, ça se décache à coup, dans la youyou. De la sardine en plus grosse poêle, ça leur filet, ils prennent tout. Les pescadours de la Martiale sont les plus forts de tout. Les pescadours. Il y a 120 ans, le 28 février 1895, à 5h30 de l'après-midi, au troisième étage, poussait le premier cri du petit Marcel. Il était normal, bien entendu, que ce soit de cette maison natale que parte le signal de départ de cette année de festivité. Cet enfant qui a grandi dans nos collines aura réussi à faire grandir le théâtre, à faire grandir le cinéma, à faire grandir la littérature, à faire grandir la Provence, à faire grandir Aubagne. Et aujourd'hui, les Aubagnaises et les Aubagnais le remercient et lui rendent un hommage tant mérité. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fêté Pagnol ici sur Aubagne et que nous avions vraiment envie de donner une dimension particulière à ce 120e anniversaire et d'en faire non pas un jour anniversaire, mais une anniversaire, puisque nous avons des événements qui vont se décliner tout au long de l'année. Je vais vous expliquer un peu comment s'est passée la réalisation de ce buste. D'abord, c'est Sylvain Barthélemy qui m'a demandé fin novembre. Elle est venue me voir, elle m'a dit « Daniel, il faudrait que tu réalises le buste de Marcel Pagnol pour le 120e anniversaire ». J'ai dû travailler jour et nuit, voilà. J'étais obligé de me forcer à aller me coucher parce qu'autrement, quand je commençais, je ne m'arrêtais plus, quoi. J'aime bien voir la réaction au moment où ils découvrent le symptôme. Mais quand ils voient ça, ben, ils ont des yeux d'enfant. C'est merveilleux, c'est ça qui est beau, quoi. Et c'est ça que je recherche. Moi, j'aimerais bien qu'à la fenêtre de Marcel Pagnol, à 5h30, tous les jours, la fenêtre s'ouvre et un cri de gosse dans tout Aubagne. Ouah ! Moi, je trouve que ce serait beau, non ? Un cri de gosse à 5h30. Bonjour, je suis très heureux que nous soyons tous réunis autour du petit monde de Marcel Pagnol qui célèbre sa création, tous ses personnages. Sortir pour fêter l'anniversaire de Marcel Pagnol. Marcel Pagnol représente pour nous la Provence, le maintien des traditions, c'est tout dans notre cœur, c'est voilà. Beaucoup, beaucoup de joie et de plaisir à être là et à apporter notre petite pierre pour cette grande fête.
trouvais que c'était bien pour ce matin, et ben, on a fait des santons. Et là, le défilé était bien. C'est la lumière de Pagnol qui reste ancrée dans ce territoire. La lumière parce qu'il l'a, chantée, il l'a magnifiée. Et aujourd'hui, bah, ce territoire le chante et le célèbre et le magnifie parce que ce qui se passe aujourd'hui est parfaitement incroyable. On ressent une vive émotion chez les Aubagnais. Je pense que les sentiments qu'il évoque, qu'il traduit pour nous, qu'il nous fait revivre quand on le lit, ce sont des sentiments éternels.